Chào anh coi giờ. Great for you. Please be seated. The President, the trial chamber will now resume. Président, nous reprenons l'audience. First, the chamber would make an announcement to the co-prosecutors and the defense counsels premier point, and all the involved parties. De la défense et de toutes les parties. The trial chamber decides the co-prosecutors décide and the defense counsels to read que the agreement on the facts et la défense donneront lecture de l'accord sur les faits. The facts that are not disputed et que les faits non litigieux. And for some other issues, we will arrest them later. Les autres faits seront However, for the reading of the agreement on the facts, it will be done in this afternoon. Cette lecture se fera so, cet après-midi. Please, the co-prosecutors and the defense counsels are prepared et for the reading donc, this afternoon. Le procureur et la défense a préparé cette for lecture our next proceeding, cet après-midi. Pour la suite de the chamber would like to ask matin, the defense counsel, Mr. Karsavut, voudrait demander that yesterday you made a statement hier, in response to the charges made by the co-prosecutors en réponse à la déclaration liminaire regarding des co-procureurs qui concernait la légalité des chefs d'inculpation à l'encontre de votre client. It is unclear whether what you raised is a request la to the chamber pas sûr que, il s'agissait to en fait resolve d'une requête that particular issue before the proceedings concernant ce or point, ou it is just s'il s'agissait simplement to bring to the, our attention d'appeler notre attention during this part of the proceedings as a response to the co-prosecutors. À ce stade de la procédure, à la suite de la déclaration liminaire If it is a clear request to the chamber, s'il s'agit d'une requête adressée à la Chambre, we would like the counsels to point to the nous voudrions que or to relevant issues regarding your request. So the floor is yours, Mr. Castlewood. Explique sa demande. Maître Castlewood, vous avez la parole. Mr. Castlewood, I'm grateful to your honors. Oui, merci, Monsieur le Président. What I have already stated in my statement yesterday, I began with that I, as a lawyer, would like hier, to give some observations j'ai dit que to je souhaitais the faire whole quelques observations court to à l'intention des chambres extraordinaires. My following comments. I think those arguments are just the comments for the consideration des of arguments the court. Qui sont simplement soumis Number two, à l'attention de la when chambre. The co-prosecutors asked whether I challenged the jurisdiction, si je en cause la compétence I am not intending to challenge it because I am quite aware already and I could have raised it in the initial car, hearing already si if I wished to do so. Lors de so initiale. What I raised was not to challenge the jurisdiction. Hier, ce n'était pas I only wanted à la the court je voulais simplement to follow the rule 98, sub-rule 7 l'attention regarding de la chambre sur the jurisdiction of the court over my client because if he is not the most senior person or most responsible person to be prosecuted, then he should not be prosecuted. I just want to confirm that position and I think they are just my comments for the court consideration. For example, I said that the co-prosecutor said that my client has something to do with the crimes against humanity because there had been some kind of armed conflicts and fightings between the Vietnam. And I would like to ask why my client was charged of crimes against humanity while Vietnam is not charged. So on behalf of my
client, I only ask for justice for my client. It's not to challenge the jurisdiction of the court. Sans pour autant remettre en cause la compétence de la CTC. Points I raised, et pour ce qui concerne les autres points que j'ai soulevés, that the Cambodian in sovereignty was not well respected. La souveraineté du Cambodge n'était pas entièrement respectée. Quoted article 31 of the Cambodian constitution that every citizen, every Cambodian citizen is equal before the law. I ask, how can you say it is equal now? Because many people were not charged while my client is charged. So I'm afraid that this is a violation to the Cambodian constitution. And the reason I explained to the court, and I at this time would also make a request to the co-prosecutor to list down all the names. Those people who are most responsible and senior people for democratic Cambodia, how many are they, and bring them all to be prosecuted, and or otherwise the court shall issue a decision or judgment to extinguish criminal actions. L'extinction so des poursuites contre ces personnes. The court to also je demande donc consider à la Chambre to issue such a judgment to make sure that justice is done for all the dead people and people who survived. But finally, I do not intend to challenge mais en the aucun jurisdiction. Cas, je ne remets en cause la compétence des CETC. Merci. The President. Le Président. For our next proceeding. Merci. Nous pouvons passer au point suivant. Je voudrais demander an attempt to issue related to the provisional detention of their client. À la défense de présenter sa requête concernant la détention provisoire de l'accusé. La Chambre demande donc à la défense if you insist on si à ce raising stade such issue, vous insistez pour soulever cette question. If so, what is your request to the trial chamber en quoi consiste exactement la requête que vous adressez à la Chambre sur ce point? Merci, Monsieur le Président. Your Honor. La défense avait en effet informé la Chambre dès l'audience préliminaire qu'elle soulèverait la question de la détention. Detention. Est-ce que je peux encore l'appeler la détention provisoire provisional detention still, however? Une détention qui dure 10 ans n'est peut-être déjà plus une détention provisoire. Et telle est bien la question que je souhaite effectivement développer devant vous, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. Comme nous l'avons rappelé, the President, please, the lawyer. The President, the floor is yours for the counsel. Je vous en prie, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons rappelé initialement, notre client a été arrêté le 10 mai 1999. Il a été alors arrêté par les autorités du Royaume du Cambodge et transféré devant la juridiction militaire. Il est resté devant la juridiction militaire pendant toutes ces années, jusqu'au 30 juillet 2007,
où les co-juges d'instruction des chambres extraordinaires ont décerné un mandat d'amener à l'encontre de M. Kev Ev, alias Duke, et il a été le même jour transféré de la maison d'arrêt du tribunal militaire à la prison des chambres extraordinaires. Nous avions immédiatement demandé à ce qu'il soit remis en liberté, étant donné le temps écoulé depuis son arrestation. Et nous avions rappelé que selon la loi cambodgienne d'abord, mais aussi selon la loi internationale, il n'était pas possible de maintenir quelqu'un en détention aussi longtemps. Les juges d'instruction ont rendu une ordonnance, et si je la résume, ils ont dit il y a un problème, mais ce n'est pas notre problème. C'est le problème des autorités cambodgiennes. Nous avons alors fait appel devant la chambre préliminaire. The pre-trial chamber. Dans leur mémoire, les co-procureurs, si je résume encore, ont dit qu'il y a effectivement un problème, mais ce n'est pas notre problème. Et la chambre préliminaire a rendu une décision dans laquelle elle dit, et je résume, nous n'avons pas de problème, et vous soumettrez la question à la chambre de première instance. Nous sommes devant la chambre de première instance. Alors, nous avons évidemment conscience de la difficulté, y compris par rapport aux parties civiles. Comment imaginer, alors que l'accusé reconnaît, se repent, demande pardon, comment imaginer qu'en même temps il puisse demander sa remise en liberté? Eh bien, tout simplement, parce que nous avons le plus profond respect pour cette chambre et pour les chambres extraordinaires. Nous venons demander ici de dire le droit, pas autre chose, de dire le droit. Même si c'est une décision difficile qui serait difficilement comprise par l'opinion publique et par les victimes, est-ce que la première décision que devrait rendre votre chambre n'est pas précisément une décision rappelant le droit? Que dit le droit? D'abord, le droit cambodgien. Nous avons rappelé
We have recalled la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993, le Code pénal the criminal code de l'UNTAC de 1992, UNTAC from 1992, la loi sur la durée de la détention provisoire du 26 août 1989. En vertu de tous ces textes, il était prévu, et notamment en vertu de la loi d'août 1999 et de son article 1er, il était prévu que la détention provisoire de personnes accusées de génocide, crimes de guerre, war crimes, ou crimes contre l'humanité ne sauraient dépasser trois années. Exceed 3 years. C'est-à-dire que à partir de février 2002, Duc aurait dû être remis en liberté. Ou, pour le dire autrement, depuis février 2002, il n'y a aucun fondement légal. Je dis bien. Il n'y a aucun fondement légal à la détention provisoire. Provisional detention. Alors il y a eu there was, pourtant des renouvellements qui ont été faits par le juge militaire presented by the de manière un peu incompréhensible. In a rather incomprehensible way. Je me souviens and I remember du débat passionnant devant la chambre préliminaire et du débat entre Madame Schilling et mon ami Maître Karsavut. Madame Schilling and my Madame Schilling avait expliqué, mais Karsavut, Council Karsavut. Nous devons maintenir Duc en liberté pour des raisons d'ordre public. Keep him free parce for reasons of nous avons for public peur. Reasons because we are afraid that pour sa sécurité we are afraid we nous fear avons peur pour we fear la sécurité for des victimes the safety of the victims so we should retain him in detention et maître Karsavut avait répondu mais madame le co-procureur your honor je suis d'accord avec vous. Vous aviez le droit d'avoir peur pendant une année. For 1 year, yes. For 1 year, yes. Vous aviez le droit d'avoir peur pendant deux années. Vous vous souvenez, madame le procureur? Vous aviez le droit d'avoir peur pendant la troisième année. Mais au bout de trois ans et un jour, vous n'aviez plus la possibilité d'avoir peur. Of being afraid. Parce que la Constitution du Cambodge vous disait qu'au bout de trois ans et un jour, on doit remettre en liberté. You must release him. Dura lex, sed lex. Dura lex, la loi sed lex. Est dure, mais c'est the la law loi. Is hard, but it is the law. J'ajoute que lors des débats devant la chambre préliminaire, le président avait invité sur cette question de la détention un certain nombre d'ONG, d'organisations non gouvernementales, à déposer des mémoires d'amicus curiae pour donner leur position. Six mémoires d'amicus curiae ont été déposées que vous trouverez dans les dossiers. Si ma mémoire est bonne, quatre organisations non gouvernementales sur les six ont soutenu la position de la défense. Au nom de la loi, au nom de la justice et au nom de l'image et de l'exemple que ces chambres extraordinaires devaient donner à toutes les justices du monde, mais également à la justice
cambodgiens. To all justice systems in the world, comment, disaient des ONG, venir nous plaindre, nous, devant les juridictions nationales de trop longues détentions provisoires, si les chambres extraordinaires elles-mêmes venaient à cautionner if the extraordinary chambers des irrégularités. Were to agree to irregularities. Alors nous venons vous demander de prendre une décision so difficile, ask you, c'est vrai, to take a difficult decision. Mais la seule we décision it is difficult, qui soit possible. But it is the only possible nous venons vous demander de mettre un terme you to à la détention de Duc parce que nous sommes complètement hors des délais because acceptables well par le droit cambodgien. Acceptable time limits set by Cambodian law. Et nous sommes également hors des délais and we have also prévus par les textes internationaux. Provided for in international legal instruments. Nous avons fait référence aux articles 9 et 14 du pacte des droits civils et politiques de New York. The New York Covenant on Civil and Political Rights. Et nous avons rappelé qu'en vertu de ces articles, and we recalled that il n'est pas possible articles, de maintenir aussi longtemps not possible une détention provisoire. To extend provisional detention for so long. Qu'il me soit permis d'éclairer permit me to par la jurisprudence shed light using ces articles 9 et 14 du pacte des droits civils et politiques. The articles 9 and 14 of the Covenant on d'abord, Civil and Political Rights. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sous l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui à de multiples reprises a condamné les pays, y compris le mien d'ailleurs, y compris le mien. Et très souvent également l'Italie, pour des détentions provisoires largement excessives, et qui n'avaient rien à voir dans la longueur avec celle de Duc. Nous sommes aujourd'hui à presque 10 années de détention provisoire. Pouvez-vous imaginer cela? Et puis, dans cette période, il me paraît particulièrement intéressant de vous citer la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ou plus précisément du groupe de travail sur la détention provisoire des Nations Unies qui, le 30 novembre 2007, a rendu un avis sur la privation de liberté des 8 personnes arrêtées au Liban à la suite de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri le 14 février 2005. Il vous intéressera sans doute de savoir qu'au moment you might find it où le tribunal spécial du Liban, créé conjointement par les Nations Unies et le gouvernement du Liban, au moment où ce tribunal entre en fonction, il est lui aussi confronté au même problème que celui qui vous est soumis aujourd'hui. C'est-à-dire que la Commission internationale d'enquête avait recommandé
had recommended la détention de ces 8 personnes the detention of these 8 people au juge d'instruction libanais chargé du dossier. The Lebanese investigating et le juge d'instruction libanais avait effectivement Lebanese décidé d'incarcérer ces 8 personnes. In fact decide to place these 8 persons in detention. Le groupe de travail sur la détention provisoire des Nations Unies a rendu un avis indiquant qu'il n'était pas possible de maintenir plus longtemps ces personnes en détention et a qualifié cette détention d'arbitraire. Au moment où le tribunal spécial du Liban ouvre ses travaux, as the special il va tribunal être saisi de cette question. Begins its proceedings. Il va devoir rendre une décision très prochainement and it will have to render sur 4 de ces personnes, les 4 autres ayant été remises en liberté par le juge d'instruction libanais et vous-même. Qu'allez-vous faire? So what are you qu'allez-vous faire, to do? Monsieur le Président, Your Madame, honors. Monsieur. Nous avons fait distribuer We have passed out. La décision We have shared the decision. Qui a été rendu dans notre dossier Which was rendered par le juge d'instruction militaire by the military investigation le 21 juillet 2008. On the 21st of July 2008. Décision que nous avions sollicitée. We requested this decision. Puisque nous avons interrogé le juge d'instruction militaire en lui disant quelle Because est votre position maintenant the military judge what his sur position was le dossier de Duc in regard to the Duc qui était devant vous. Et le juge d'instruction militaire And the military dit ceci, investigating judge said, considérant que la poursuite du dossier de M. Keng Gek-el, alias Duc, relevait de la compétence du tribunal militaire car il n'y avait pas à l'époque de loi portant sur la création des CETC. Pardon, Monsieur le Président, collègues. Excusez-moi, je Merci. Pensais que c'était déjà fait. Merci. Excusez-moi. Mr. Roux, I thought it had already been done. I'm sorry. Vous avez version Khmer et version française. Considérant qu'après la création des CETC, la compétence de celle-ci couvre les crimes contre l'humanité et les graves violations de la Convention de Genève du 12 août 1949 commises pendant la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, dès lors, le tribunal militaire n'est plus compétent en ce qui concerne les crimes qui relève de la compétence des CETC. Considérant que la personne mise en examen, Keng Gek-ev, alias Duc, est poursuivie par les CETC depuis le 30 juillet 2007, décide de mettre désormais un terme à la compétence du tribunal militaire sur le dossier numéro 397 du 6 mars 1999 sur lequel la personne mise en examen
Ken Kek-Ev, alias Duke, a été interrogé pour les crimes prévus dans la loi portant sur la création des CETC, Phnom Penh, le 21 juillet 2008, le juge d'instruction. En vertu de cette décision du juge militaire qui constate son incompétence au profit des chambres, vous êtes bien la continuation de la procédure engagée contre Duc. Et ça vous est précisément indiqué dans le premier paragraphe. À l'époque, le dossier relevé de la compétence du tribunal militaire, car il n'y avait pas, à l'époque, de loi portant sur la création des CETC. Il y a donc bien une continuité d'un dossier. Et il ne suffit plus de dire « ça n'est pas notre problème ». Je suis désolé de venir vous soumettre ce problème. Mais maintenant, c'est le vôtre. Et vous ne pouvez pas passer à côté. And you cannot avoid it. Alors, que faire? So what do we do now? Eh bien, s'inspirer tout d'abord de la jurisprudence. I think we should rely on jurisprudence. Quelle meilleure jurisprudence? Quel meilleur précédent pouvons-nous avoir que ce qui s'est passé dans l'affaire Baraya Guiza, ou pardon pour les traducteurs. Alors, Baraya Guiza, B-A-R-A-G-W-I-Z-A. Baraya Guiza, Jean Bosco. Quelle était la question? So, what was the issue at stake? La défense soulevait que M. Baraya Guiza, dont tout le monde disait que c'était un des principaux responsables du génocide rwandais, la défense disait que ses droits ont été violés lors de son arrestation et il a été maintenu en détention par la violation de ses droits. In violation of these rights. Paragraphe 106 de l'arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la Chambre d'appel des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. Au paragraphe 106, la Chambre d'appel disait ceci. Les crimes mis à la charge de l'appelant sont très graves. Toutefois, en la présente espèce, ses droits fondamentaux ont été maintes fois violés. Il y avait eu aussi un petit paragraphe pour le procureur qui ne concerne pas les coprocureurs ici, mais la Chambre, dans l'affaire Baraya Guiza, avait ajouté, chose sans doute pire, il apparaît que les manquements du procureur en cette espèce relèvent de la négligence. Ça ne concerne pas les coprocureurs dans la présente affaire. Et pour se déterminer
La chambre d'appel du tribunal pénal sur le Rwanda avait conclu par ces deux paragraphes dont je vais vous donner lecture. La chambre d'appel disait ceci. En la présente espèce, nous apprécions la puissance des mots du juge Brandeis de la Cour suprême des États-Unis. Of the United States Supreme Court, citation. We quote, la décence, la sécurité decency, et la liberté security, commandent que les représentants de l'État soient soumis aux mêmes règles de conduite que le citoyen ordinaire. Dans un État de droit, l'existence de l'État est mise en péril si lui-même ne respecte pas scrupuleusement la loi. L'État est l'instituteur puissant et omnipotent. Dans le bien ou dans le mal, il prêche au peuple par l'exemple. La conduite criminelle est contagieuse. L'État qui enfreint la loi suscite le mépris de la loi. Il invite alors chaque citoyen à faire sa propre loi. Il favorise l'anarchie. Dire que dans l'administration de la justice pénale, la fin justifie les moyens. The end justifies the means. Dire que l'État peut commettre des infractions afin d'obtenir que quelque criminel soit condamné entraînerait un terrible retour de bâton. Would lead to a terrible boomerang effect. La Cour, disait le juge Brandeis, doit résolument prendre position contre cette théorie pernicieuse. Against this pernicious theory. Et après avoir fait cette citation, and of course, la chambre d'appel and having quoted concluait Judge Brandeis, son arrêt the chamber ended elle-même its judgment. Par ces mots, thus, le tribunal, et là the court, elle parle du tribunal pénal international sur le Rwanda, to the le tribunal, International Criminal Tribunal for Rwanda, institution dont le but premier est de veiller à ce que justice soit faite, ne doit pas entériner de telles violations, celles dont nous avons parlé plus haut, permettre que l'appelant soit jugé sur la base des charges dont il a été tardivement accusé, serait travestir la justice. Rien moins que l'intégrité du tribunal est en jeu en l'espèce. Que le public en vienne à perdre confiance dans ce tribunal en tant qu'institution garante des droits de l'homme de tout individu, y compris ceux qui sont accusés de crimes inimaginables, serait une des conséquences les plus graves de permettre que le procès de l'appelant ait lieu malgré de telles atteintes à ses droits. C'est difficile qu'il soit à d'aucuns d'accepter cette conclusion. C'est le rôle propre d'une justice indépendante que de mettre fin à ces poursuites pour qu'il n'en résulte pas d'autres injustices.
so that other injustices may not arise. Cette décision, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, fait honneur Mr. President, Your Honours, à la justice pénale this internationale. Decision or this judgment J'imagine honors the l'état de conscience justice system dans lequel se sont trouvés les juges qui ont rendu mind, cette décision who rendered this decision might have been sous la présidence de Madame Gabrielle Kirk-McDonald. Over by Judge Gabrielle Kirk-McDonald. La Chambre était allée très loin puisqu'elle avait ordonné l'arrêt immédiat des poursuites et elle avait interdit au procureur de reprendre les poursuites. Je vous rassure, nous n'en sommes pas là ici. I can assure you that we have not yet come to that. Et je dois aussi être complet and I must et préciser qu'à la suite de cette décision, that in the wake Madame le procureur decision, Carla Del Ponte, the prosecutor, Ms. nouvellement Carla Del Ponte, désignée procureur international, a demandé la révision de cette décision for a review of this et dans une judgment, parole restée célèbre and in a famous à l'audience, statement, elle a dit au juge de la chambre d'appel she said to the appeals chamber si judges, vous mainteniez cette décision if you were to uphold this nous decision, pouvons mettre la clé sous la porte. We can ça n'était pas très juridique. Stop the proceedings. It was not mais a il est exact thing to say, que la Chambre d'appel a révisé sa décision. That the appeals chamber did review the et decision. La deuxième est intéressante également. And the second decision it took was la Chambre d'appel dit interesting too. Oui, and il y a bien chamber eu said, violation des droits de yes, l'accusé. There was a breach of the rights of the accused. Mais that is true. Nous ne pouvons pas but demander l'arrêt des poursuites. We cannot ask that proceedings nous disons, cependant, brought to an que end. Si l'accusé, however, après we do say les poursuites, that devait être condamné, il aurait droit found guilty, à une réduction de sa peine. There would be a reduction of the sentence. C'est ce qu'il s'est passé. And that is what happened. Monsieur Barayaguiza Mr. Baraya a été reconnu coupable. Was found guilty. Il a été condamné. He was sentenced. Je crois à la prison à vie. To et sa peine a été diminuée and his à 35 années pour tenir compte de la violation de ses droits. To take account of the breach or violation of his rights. Que vous demandons-nous aujourd'hui? So what do we ask of you today? Principalement de mettre un terme immédiat primarily, à la détention de Duc pendant of le temps du procès for the duration of the trial. Et j'insiste pendant and le temps I du procès for the duration of the trial. Ainsi pour suivre ce que disait so, hier Maître Karsavut, nous retrouverions l'équilibre pendant le temps du procès entre ce que les coprocureurs refusent aujourd'hui de poursuivre pour des crimes peut-être encore plus graves. For those that the co-prosecutors refuse to prosecute for ces personnes sont crime. Aujourd'hui en liberté. Duke, leur side, nom circule dans la presse. Are today. Their names are on ne les poursuit pas, the soit. They are not prosecuted, so be it. Mais alors, il n'y aurait rien d'anormal so they, it would à ce que votre chambre dise pendant au moins le temps du procès. For your chamber to say, quelles que soient les accusations pour des crimes inimaginables, je reprends les termes de la Chambre d'appel, quelles que soient ces accusations, mettons Duc en liberté pendant le temps du procès. La défense ne s'opposerait pas
The defense would not challenge à ce que cette mise en liberté soit assortie de conditions, bien entendu. The conditionalities pourquoi pas on this release? Décider que Duc serait dans une safe house, for instance, that comme cela se pratique dans d'autres tribunaux. Me permettez-vous à ce propos, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, une observation de bon sens. Duc est co-détenu avec des personnes dont il va être question pendant ces débats. Ne croyez-vous pas qu'il serait une solution préférable pour tout le monde qu'il ne soit pas détenu en même temps que ces personnes? If he were not detained at the same time as these people? Soyons donc pragmatiques. So let us face facts. Appliquons la règle let de us droit be pragmatic. Et pragmatic. Dans le même temps, permettons let us apply the law, but que la parole de Duc let us allow dans cette audience puisse Duc être d'autant plus libre. Or let us allow Duc to be free to speak in the court. Donc une mise en liberté, oui. So, assorti des conditions yes, que vous déciderez, but with conditions that you will et decide, ce sera dire le droit. And justice will have been done. Tout à fait subsidiairement. Problème de traduction? Non. Tout à fait subsidiairement, si vous estimiez que, pour telle et telle raison, vous ne pouvez pas le mettre en liberté, la défense vous demande de dire d'ores et déjà deux choses. D'une part, qu'en cas de condamnation, le temps passé en détention depuis mai 1999 sera pris en compte et retiré de la peine. Mais d'autre part, qu'il aura droit à une remise de peine pour compenser to compensate la violation de ses droits the violation of his rights. Et reprenant en cela le deuxième arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire Barayaguiza. Voilà, je crois, avec l'ensemble de ces possibilités, les solutions qui se présentent à vous, pour retrancher ce difficile problème. Qu'il me soit permis de dire un dernier mot aux parties civiles. Rien n'est fait contre vos droits. Tout est fait pour le droit. Et j'imagine aisément que même partie civile, vous ne pourrez que soutenir cette position. Je considère que les parties civiles ne peuvent intervenir dans un débat sur la détention que si elles rapportent la preuve que la mise en liberté porterait atteinte à leurs droits. Le reste ne les concerne pas. Je n'imagine pas un seul instant, d'une part, que la mise en liberté de Duc dans une safe house, porte atteinte aux droits des parties civiles. Je n'imagine pas un seul instant qu'alors que nous sommes ici pour rechercher le droit, quiconque puisse s'opposer à ce que l'on applique avant tout la loi, la loi
cambodgienne Cambodian law qui dit que toute personne ne peut être maintenue en détention plus de 3 ans, la loi internationale qui interdit la détention arbitraire. Je vous remercie. Thank you. The President, the trial chamber would ask the co-prosecutors if they wish to respond to the defense counsel regarding his presentation and the reasons concerning that issue. The issue of the detention of the accused and other issues which have been raised by François Roux. If you have, please comment. Thank you. Et présenté par Monsieur Roux, Maître Roux. The co-prosecutor, thank you. The President, the honors. Madame Cheng Lang. Madame et Messieurs les juges, what has been Monsieur requested by the defense counsel for the release of the accused? Par la we, the co-prosecutors, also have seen the Article 82 of the accused's right of the rights to make such a request. Nous avons the co-prosecutors wish to state that this is not a new issue. The request for the release on bail has been raised by the defense counsels since during the investigative phase. Therefore, the co-prosecutors consider this request. Par conséquent, l'accusation considère que cette demande has been rejected by the co-investigating judges. Fait l'objet d'un rejet par les co-juges d'instruction. At the same time, en même temps, there was an appeal to the pre-trial chamber. Un appel and the decision of the co-investigating judges devant la chambre, and the pre-trial chamber made a decision to uphold the provisional detention of the accused. That is the historical background regarding the request raised by the defense counsel of the accused. Relatif à la demande exprimée et effectuée. We, the co-prosecutors, still représentants de l'accusation, maintain our positions to request to the pre-trial chamber to continue the detention of this accused, soit maintenue la détention de la personne with certain reasons as following. Pour les raisons. Pour les motifs suivants. Motif numéro 1. The co-prosecutors consider that rules 63.3 of the internal rules until this time it is still a necessity because this rule stipulates that if it is to be believed that the accused has been committed the crimes
And at this time, the accused himself acknowledges the crimes occurred at S21 in the name as the chairman of that S21. So he acknowledges his responsibility at that office. Responsabilité dans ses fonctions. The co-prosecutors consider that in regards to the request of the detention of the accused at the military court from the 10th of May 1999, we would like to ask whether we, the extraordinary chambers in the courts of Cambodia, has to be responsible for that detention? The co-prosecutors would like to submit that the ECCC is an institution which is independent, separate from the military court, and this chamber has not been in function or in operations in relation to or in agreement with the military court, which is a local court. D'une compétence and this extraordinary chambers in the courts of Cambodia has never requested to the military court to make such detention. Therefore, this extraordinary chambers in the courts of Cambodia is a hybrid tribunal. En fait un tribunal and this extraordinary chambers in the courts of Cambodia is also an independent institution separate from the national court or the military court which detained the accused in the past. The extraordinary chambers in the courts of Cambodia, which is independent, is again separate from the military court. These extraordinary chambers in the courts of Cambodia is an internationalized court. And I would like to raise the specific features of this extraordinary chambers. This extraordinary chambers in the courts of Cambodia was established with the agreement between the Royal Government of Cambodia and the United Nations to create a special law visant ainsi à créer une loi with its own responsibility from its establishment. De ses propres dispositions et this extraordinary chambers in the courts of Cambodia is not bound to judge on the appeal of the national court, and the detention rests by the defense counsel is involved the national court. Therefore, the co-prosecutors consider that ce droit if the defense counsel si at the international court consider that si their client's detention, the competency of the court or of the appeal court is falls within the local appeals court. So we, the co-prosecutors, know that Mr. Castlewood, who has been a defense lawyer for this accused, has the right to make an appeal to the national court. But his relinquishment of such right is his own responsibility. These extraordinary chambers, in agreement, does not have any agreement with the military court. And the military court also stated the law on the establishment of the ECCC for the charges of the accused. However, I would like to submit that we need to consider the proper proceedings within the chambers, considering the functioning of the office of the co-prosecutors, as well as the functioning of the office of the co-investigating judges. These two offices have their own separate independent duties, and these two offices, which composed of both national and international staff, personnel d'ailleurs à la fois
national and international prosecutors and national and international investigating judges. So our unique feature is separate from the national court. Even if you look at the appointment of the judges, they consist of both national and international judges, and they are not related to the national court. The national court, this chamber is not responsible for the functioning of the local court or the military court. So the violation of the accused right by the national court is not the jurisdiction or the responsibility of the chambers. So Dutch detention at the military court cannot be taken into account and for the this chamber to make a decision on such issue. Point number three that I would like to raise regarding the continuation of the provisional detention is that what the pretrial chamber has decided to uphold the order of the investigating judges and to continue the provisional detention of the accused. We have observed that since that decision of the pretrial chamber until today, we have not seen any changes in circumstances besides the decision of that pretrial chamber. Therefore, even if Article 82.3, which allows the defense counsel to raise such a request, that is his right, either verbally or in writing. However, it needs to be considered that whether the circumstances have changed during the rejection of that appeal or any new circumstances arrived that needs to be considered in order to release him on bail. Qui pourrait ici motiver la mise en liberté de la personne mise en accusation. The co-prosecutors still maintained the provisional detention at this time is necessary to ensure que by law as stipulated in Article 35 on the law on the establishment of the ECCC, which clearly stipulates the prosecution of the accused is only before the trial chamber. Therefore, our submission and the continuation of the provisional detention is to avoid the trial in absentia of the accused. And in order to ensure that, we need the trial chamber to continue the provisional detention to ensure his trial in person. Number five, in order to ensure the safety and the security of the accused, Dutch, until this time, the public, who are the family's members or the victims as the victims themselves, know Dutch clearly. Therefore, if the trial chamber releases him on bail, it's going to be an issue which is a risk. And the victims or the victims' families who are angry because their family members suffered or lost their lives during the democratic Cambodia, that would make them angry and take revenge on him. This is an issue on the his own safety and security. On the person mise en accusation, moreover, if such revenge occurred on the accused, de tels gestes de vengeance allaient être portés, it will also à l'encontre de la personne mise en have an impact on the public order. Également un impact sur if there is such an attack on the accused, si de telles attaques étaient portées à l'encontre de la personne mise en accusation. Now the point that I would like to raise is in response to the order raised by the defense counsel. It's the order by the military court on the detention. My observation is that it clearly states du tribunal militaire, the military court clairement ici que le tribunal militaire relinquishes abandonne its jurisdiction. Sa compétence. So,
It may un terme à sa compétence. After the ECCC has been established with its jurisdiction, après it means l'établissement ou la création de the military court relinquishes its jurisdiction after the establishment of the ECCC, which was in 2006. À sa compétence, il s'agit ici d'une décision. And the military court en date already relinquished its jurisdiction after the establishment of the ECCC. So this is clearly stated, and in this order, there is a signature dated the 21st of July 2008. So this decision on the detention, on the relinquishment of the jurisdiction, il s'agit donc d'une décision d'abandon de compétence, is appropriate, and the co-prosecutors agreed upon the content of the order made by the military court. Because of these about reasons, the co-prosecutors still maintain our positions to seek permissions from the trial chamber to continue the provisional detention of this accused. Et donc, déclare and the last point raised by the defense counsel regarding the deductions of the sentence, etc., and etc., is the discretion of the trial chamber. Thank you. Je dirais qu'il s'agit de la décision concernant la déduction de peine, la réduction de peine. Eh bien, c'est une décision qui est, je dirais, qui relève de la compétence de la chambre. Par ailleurs. Monsieur le Président, je vois les parties civiles qui se lèvent. Je voudrais juste faire un rappel à la loi. Bien entendu, la demande présentée par la défense se situe dans le cadre de la règle 82 et particulièrement du paragraphe 2. La Chambre peut à tout moment ordonner la mise en liberté d'un accusé le cas échéant sous contrôle judiciaire ou ordonner sa détention en application du présent règlement. Elle statue après avoir entendu les coprocureurs, l'accusé et son avocat. Je pense que les parties civiles, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, n'ont pas à prendre part à un débat sur la détention. Merci. Co-lawyers for civil parties group one, we are aware of Maître Werner, groupe 1. Monsieur le Président, nous sommes bien conscients de l'existence de la règle 82 du règlement intérieur. Cela étant, il s'agit ici d'une question absolument fondamentale pour les parties civiles. Et c'est pourquoi nous demandons, Monsieur le Président, que vous nous donniez à tout le moins quelques minutes pour aborder cette question. Lawyer Président, group 1, you take the floor first. Je vous en prie, avocat des parties civiles groupe 1, commencez. Say the President. The President, could the lawyers please wait a moment? Le Président, veuillez attendre un instant. Nous allons conférer sur les sièges.
the president. The civil party lawyer, what would you wish to avocat des partis civils, state at this moment? Que vouliez-vous dire à cet instant? Your Honor, we would like to address Madame, Messieurs, the chamber a few minutes about the legality. Disposer de quelques minutes. And a lot has been said about the legality of this request. And we would like to have the opportunity, a few minutes, de cette requête, to address the chamber on the legality of this request. Sur ce point. Did you get what I said? Thank you, Your Honor. President, just now the civil party lawyer tried to make some observation concerning the legality, but faire des observations sur la légalité. This legality matter has been raised by the defense counsel. Requête des avocats de la défense. Test matter here is about the comments made by the defense counsel concerning the release on bail la of their qui est client, posée ici par la défense, c'est so that de his client de la can be kept in a more separate secure building, and in Rule 82.2 Rule subparagraph 3 of the same rule, de certaines conditions à la règle 82 du règlement intérieur. On the matter, the trial on trouve chamber des dispositions qui veulent que la chambre or hear only the defense counsel, the accused, and the co-prosecutor, après avoir entendu les co-procureurs, l'accusé et son avocat. The trial chamber will not listen to the civil parties. En application so de quoi la chambre ne donnera pas la parole ici sure aux parties civiles. Sub-rule number 2 and sub-rule 3 of rule 82. Je vous renvoie ici à la règle 82, paragraphes 2 et 3. Abided. So, the trial chamber who will speak first, says the president. What are the other issues you would like to raise? Vous voulez soulever d'autres points, demande le président de la Commission participative. Could I request, or could we request, est-ce que to reconsider que nous vous demandions de revoir that you have taken cette décision que vous venez de prendre? The decision from 20th of et March, je vous rappelle à cet égard 2008, la décision du 20 mars 2008 rendue par la Chambre préliminaire. This decision
was on civil parties, il s'agit d'une décision qui portait sur les droits des parties civiles. The question, if civil parties are allowed sur le point de savoir si les parties civiles participate and sont not only physically, à participer autrement que purement physiquement in detention, dans appeal les débats hearings, concernant la détention provisoire this pre-trial en appel. Decisions or, la Chambre préliminaire the extent of civil party participation. A défini la portée de la participation and des parties civiles like to recall en la matière. That of course this court je vous rappelle should aussi also be consistent que les chambres even if être this decision, fundamental decision on même civil parties si cette décision fundamentale was concernant la participation des parties civiles a été rendue par la chambre préliminaire dans l'affaire Nunchia. And I would like to let you know the pretrial chamber or what the reasons were why the pretrial les raisons chamber pour lesquelles la chambre préliminaire decided that civil parties a décidé and their interests are concerned qu'il y avait ici des questions qui touchaient aux intérêts des parties civiles. Appeals the detention order and if it is pending, if maybe the accused could be released. En cas the pretrial chamber stated éventuelle remise en liberté de l'accusé, des civil parties' rights and namely the right to reparation and to seek reparations could be affected, le droit à réparation pouvait être affecté civil parties et par conséquent perform les parties civiles devaient and this is only an example of course leurs droits before the pretrial chamber during the hearing that means also we were allowed and could submit written pleadings and to give short oral observations in the hearing itself. Observation orale and à l'audience we have elle-même. Here, if I compare the situation in the pre-trial phase or ici, with the request now of the defense, par la défense, asking for the release of laquelle demande the la accused, mise en liberté de l'accusé, which is comparable situation content, comparable even if we are now at the trial stage, à ce qui s'est passé devant la chambre préliminaire when the defense or the accused at the charged person sorry devant laquelle la défense demandait appealed la the mise detention order or are appealing now in case to the extension de la détention de l'extension de la détention order. Provisoire de la and personne mise I en examen think the trial chamber should reconsider its decision according to Rule 82 and to take into account that, of course, only the reason that civil parties or civil party lawyers, co-lawyers, are not mentioned in Rule 82, 2 and 3 les avocats des parties civiles ne sont pas mentionnés au paragraphe 2 et 3 de la règle 82. Le fait qu'ils ne soient pas mentionnés ne veut pas dire que forcément ils doivent être exclus des débats sur cette question. Il faut ici distinguer la lettre et l'esprit et comprendre que les parties civiles sont bel et bien parties. Secondly, et pas une entité quelconque, et que deuxièmement, les parties civiles sont directement concernées par une décision que rendrait la Chambre de première instance à la suite de pareille requête de la défense. Par conséquent, have to be taken into account and again the fundamental or one of the fundamental rights of participation is the right de la to des be heard et le and droit d'être this entendu. Is something and moreover if it is a matter that concerns civil parties cela est d'autant directly plus vrai s'il s'agit so de that questions I qui please, touchent directement aux the chamber des to civiles. Reconsider its decision j'invite donc instamment la Chambre today à revoir to reject that civil parties could take a position or again to review and
la requête des parties civiles à pouvoir intervenir. Je vous demande aussi d'assurer la cohérence au sein de la jurisprudence des décisions rendues par les différentes chambres qui composent les CETC. Et donc, vous vous alignez sur la décision rendue le 20 mars. The same matter that is concerned, of course, the trial chamber should not take another position and excluding with a formal argument civil parties are not mentioned in Rule 82.2 and 3, and this is a formal argument, but en appliquant à la lettre l'arrêt 82, paragraphe 2 et 3. Le micro de Maître Studzinski s'est éteint. Le président, the trial chamber already, la chambre a déjà pris note the request, and I think it will take the whole day to hear de the argument. Requête. The trial chamber will take this matter to be considered. Nous allons examiner cette requête would you like dans to add any la journée. Further or make any further voulez-vous comments? Ajouter encore quelque chose, demande le président. Sorry, I do not know when the mic was cut off and what was possible to be translated because I didn't see it and therefore I would like to get. J'étais en train de dire quelque chose et j'aimerais m'assurer que j'ai été bien entendu. Le président interrompant. The president. Now, the trial chamber la would chambre. Like to inform you that the chamber will take your request to be considered during lunch break. And after pause the break, then we will et make a après decision la pause, on nous rentrons the décision rights of the civil parties concernant in les regard droits to des the parties civiles. Request the action made by the defense counsel for the release on bail of his concernant of their la mise client, en liberté provisoire de and also we need to discuss the matter in conjunction with the existing sub-rule 2.3 of nous examinerons Rule 82. Are cette you requête clear? À la lumière du règlement intérieur. Okay. Mr. President, Your Honor, first I would Monsieur like to clarify which parts of my speech could be heard and could be translated. Entendu I didn't observe de ce que j'ai dit, when the mic was car je cut n'ai pas off. Pu observer exactement le moment où le micro okay. s'est coupé. And then, secondly, ensuite, I would like to get guidance or if you also take into account, as far as I understand, si you want to decide the request of the defense, but I think first you should decide on the request for reconsideration, taking into account que vous allez the pretrial chamber jurisprudence de votre décision sur la base des décisions rendues précédemment par no, la chambre préliminaire. Okay. Monsieur le Président, si je peux me permettre quelques observations dans l'intérêt du groupe des parties civiles numéro 3, Martine Jacquin. La défense a immédiatement fait référence à l'article 82 en souhaitant que sa demande de partie civile puisse être examinée par la Chambre sans que celle-ci ne puisse avoir... ne puisse écouter les observations des parties civiles. Il est évident que c'est une situation qui n'est pas concevable pour les parties civiles, pour lesquelles la demande de mise en liberté faite par M. Dutch a un caractère surréaliste. Alors, on a rappelé la règle de l'article 82. Cette règle de l'article 82 est en fait pour la première fois invoquée devant vous, puisque c'est la première demande de mise en liberté devant votre juridiction. On peut retenir qu'elle va fixer les personnes qui, à minima, devra être entendues, mais que votre autorité d'audience vous permet également d'écouter toute autre partie que vous souhaitez entendre. Et je crois que les parties civiles ont légitimement droit de demander la parole et de s'exprimer sur cette demande. Je rappellerai très rapidement que M. Dutch a hier exprimé des regrets et des reconnaissances, une demande de pardon. Et le lendemain, dès le début de cette audience, il fait une demande de mise en liberté en arguant d'un certain nombre d'éléments, juridiques
en voulant fonder sa demande sur un respect du droit qui irait peut-être contre l'équité en tout état de cause, contre le minimum de reconnaissance des souffrances des parties civiles. Il faut comprendre que pour celles-ci, cela a un caractère inconcevable. Quelle est la reconnaissance réelle de M. Dutch des faits qu'il a faits si le lendemain il pense que cette demande de pardon est assimilable à une demande de mise en liberté? J'aurais dit qu'en assistant ce matin envers et contre tout pour demander que point par point, les éléments factuels reconnu par M. Dutch soit évoqué publiquement, c'est indispensable. Faudra-t-il cela pour qu'on lui-même prenne conscience de la gravité des faits qu'il amène aujourd'hui devant d'autres juridictions et de la situation extrêmement lourde pour les parties civiles qui ont perdu leurs proches, qui ont perdu leurs familles, qui pour certains ont perdu la suite de leur vie, en sachant bien que les parties civiles, la centaine de parties civiles aujourd'hui présentes, ce sont tous des parties civiles symboliques et particulièrement courageux par rapport à la difficulté de leur vie depuis la fin du régime des Khmer Rouges. Enfin, le président, mes observations. Monsieur le Président, je vous remercie. The President, I would advise you that not to repeat the same arguments. Je vous demanderai de ne pas répéter les mêmes arguments que ceux qui ont déjà été soulevés. Juste trois choses en deux minutes. Première chose, j'ai indiqué lors de l'audience préliminaire le 18 février dernier, je crois, qu'en ce qui me concerne, je considère que les parties civiles ne doivent pas prendre part au débat sur la peine. En revanche, il est nécessaire et il est indispensable que nous puissions répondre aux arguments développés par la défense dans le contentieux sur la détention provisoire, ainsi que cela se fait en droit français, qui est l'inspiration de la partie mixte et romano-germanique de votre règlement. La deuxième chose, c'est que la partie civile dans le débat sur la détention est présente ici, dans le cadre des affaires dont vous avez à juger. Comment serait-il possible de considérer alors que la partie civile aurait moins de droits à l'audience publique que dans le cadre des audiences qui ponctue l'instruction du dossier? Cela ne serait pas juridiquement possible et cela serait incompréhensible pour nos clients. Car la troisième chose, c'est qu'en droit et en droit pur, Monsieur le Président, il y a l'article 82 que nous avons compris, il y a aussi l'article 63. L'article 63, c'est la même chose que l'article 82, mais c'est pour l'instruction. Et dans l'article 63, pas plus que dans l'article 82, il est fait référence aux parties civiles. Il est fait référence dans l'article 63 comme dans l'article 82 qu'à l'avocat de la défense et au procureur. Dès lors, par un effet de calque, il faut considérer ces deux articles sous l'aune de l'existence de la partie civile pareillement dans le cadre de l'instruction que dans le cadre du dossier plaidé en audience publique au fond. C'est pourquoi nous devons et nous pourrons, et il est nécessaire que nous nous exprimions cet après-midi sur cette question fondamentale, qui est celle de la comparution de Dutch, libre ou détenu. President, we have already informed the parties that your request will be nous avons déjà dit noted, aux parties civiles que note était prise and à leur demande. Informed you already that the discussion will be based on the
Comme je vous l'ai dit, nous nous fonderons sur la règle 82, paragraphe 2 et 3 du règlement intérieur. La Chambre a pris note de vos requêtes et délibérera pendant la pause déjeuner. When we resume our session, then we will announce the decision regarding the matter. À la reprise de l'audience, nous annoncerons donc notre décision concernant cette question. Le temps est venu de suspendre pour la pause déjeuner. Would like, to adjourn for the lunch break and we resume at 1:30. Nous reprendrons à 13h30. The detention facility guard, please take the accused back to the detention facility and bring him back à sa cellule et de le ramener ensuite à l'audience pour 13h30.